Bonjour à tous, c'est moi Tibet et aujourd'hui c'est parti pour reprendre le Let's Play. Donc nous sommes à l'épisode 3. Donc en fait j'ai fait une coupure là parce que j'ai pas envie d'enchaîner tout de suite la mission. Donc en même temps j'en ai profité pour acheter une boisson qui me protège un peu des dommages. Donc c'était pour vous faire cette petite aparté. Allez, on reprend. Just a little frustrated stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, it's good for Dog Eyes, but that might be too much or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyer looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Ok, c'est parti. On va rouler à bord d'une super camionnette. Call it a pre-stolen ride. Alors. I'm thinking I'm gonna get a steady girlfriend. Oh yeah? Respecter le code de la route. C'est bien une chose qui est impossible dans un GTA. Alors, c'est pas là. Attention, putain. Non. Ah, d'accord. Ça fait partie du code de la route. Vous avez le droit de rentrer dans vos. D'accord. Non, mais encore. Hein. Allez, c'est parti. On va chercher le matos. Bonjour, comment allez-vous? Oh putain, ouais. Allez, ta fast touch. Oh, oh. T'as rien capté, toi? Oh, castrage. Viens là toi, ça te dirait pas de faire un petit tour dans la poubelle? Merci. Oh, c'était bien méchant. Allez, ramenez-vous, je vous attends. À l'attaque! Toi. Ici, on est des hommes, on se bat avec des poings. Regardez la gueule qu'il a, notre chaîne, on dirait qu'il a la grippe à Shiner là. Putain. Pose-moi ça tout de suite, jeune petit délinquant. Que dirait ta mère si elle te voyait dans cet état? Putain, ils sont juste extrêmement violés.
bitch. Pourquoi tu me fais autant de mal? Oh, on brise l'épaule. Bon. Ok, c'est parti, course poursuite. Attraper le van avec la cargaison. Ok, bébé. Oh putain! C'est parti avec une petite team. Ok, les gars. Fuck, fuck la police. Détruisez les voitures d'escorte. Comment? Très bien, mais comment appuyer sur un bouton? Ah bah ok. Elle croche. Ok. C'est pas pratique. Ah. Putain, il est 200 km. Bonjour, ami. Eh merde. Ah putain, ils sont à 100 km. On a une vieille merde comme voiture en même temps. C'est quoi? Putain, sa merde. Ah merde, c'est pas la bonne cible. Vite, 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 vite. Elle est où la voiture? Il y en a que 12 secondes. Putain. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est bon, la voix, c'est bon. Non, 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 non. La cible est là. Non, non. Pourquoi? Putain. Mission ratée. Ok, on recommence. Fait chier, il y a eu un bug. Plus ou moins. Je crois qu'il me semble que j'ai vu qu'un petit raccourci possible là à gauche. Voilà. On t'attend. Allez, viens, viens. Okay. Mmh, ouais. Terrible, mais bon. On va faire avec. Allez, rien avec toi. Oui, c'est bon. Oui, gang bang. C'est tellement mieux avec une arme à feu, bordel. S'en fout de la réputation de police. Oh, c'est une course poursuite. Dégage. Hop. Bah, c'est une bagnole, c'est déjà ça. Alors, c'est là où ils ont les deux qui ont fait n'importe quoi. Pour la percute, le motard, je les déteste. À chaque fois que je tourne à gauche, il y a la portière qui s'enlève. C'est chiant. Ouais, c'est normal si je vais percuter. Faut savoir une chose, dans un GTA, je déteste les motards. J'ai pas... J'ai l'impression que c'est trop maniable. C'est... Y'a pas de solidité quand tu percutes quelque chose, donc ça va pas, j'aime pas. Ça m'énerve. Bon, c'est qu'à merde... Je parle que dans GTA, hein. Sinon, en vrai, je m'en fous. Merde.
ça doit être la pire chose qui peut arriver. Course poursuite. Et putain, il y a des bouchons en plus. Attends-moi. Pardon. C'est bon. Allez. Oui, allez. Faites tout sur le passage. Allez, on tourne en rond là. Je me demande une chose, si je la pète encore un peu, elle va pas exploser sur la marchandise qu'on essaie de récolter. Ah bah c'est bon. Cool. C'est qu'il y a une merde de voiture. Allez hop, on retourne à la messe. C'est pas vraiment là, non. Sortez du rayon d'utilité que tu trouves. Putain, les flics. Pour m'enlever ce message là, ça me gêne un peu pour la conduite. C'est par là, je passe par là pour tout le monde. Au secours! Comment je suis laissé avec ça? Bon, je prends pas de raccourci. Ah d'accord, faut la péter. Ah, petite choupie. Aïe. Putain, mais sérieux. On déteste les combats de voiture. On l'a pas perdu, elle est juste en face de nous. C'est un truc qui casse le fond. Viens là, viens là. Ah d'accord, j'ai pas capté le percutage. Conduit jusqu'à top de la montagne. Alors c'est parti, on est juste à 300 km, on se met. Allez, allez. Comment ça va si vite? C'est là? C'est là où. La théorie. Putain, mais après, je me suis pourri. Et voilà. Hey, wait! You did good out there. Yeah. Smart. Smart. Right.
Ouais, il montre, c'est génial. Oh, mission terminée. Ouais. Tab. Alors, on peut level up parce que je vois. Nickel ça. Alors, pourquoi même attaquer des cadeaux tout direct? Ouais. Alors, soit de la résistance, soit de la puissance. Allez, plus de dommages. Voilà. Bon, bon, bon. Où est-ce qu'on doit aller maintenant sur la carte? Allez là. Des affaires. Raquette de minibus. Tiens, au prochain épisode, on va faire une affaire. Ça pourrait être pas mal. Ouais, parce que on va faire comme ça. On fait à chaque épisode une mission et on va au lieu de rendez-vous. Je pense que ça peut être pas mal. Alors voyons voir les motos de Sleeping Dog. Ouais, c'est moyen. Je vais pas me faire percuter, ça le problème. C'est comme une... je sais pas comment dire ça, c'est trop maniable. Attends, toi, deux secondes. Un truc que je déteste aussi, c'est on recule lentement. C'est chiant ça. Alors. C'est ça qui m'intéresse. Allez, petite prière. Doing, doing, doing. C'est bon. Allez, hop, on y go. Et c'est parti. Let's go, let's go. Oh putain. Oh, attention. C'est trop malade, c'est bien. Putain. C'est hardcore. C'est hardcore. Ah putain. Ah bah tiens, prions. Prions mes amis devant la petite hôtel de Kawenge. Un à trouver pour la prochaine narration. Ah, c'est cool ça. Plus qu'une, hop, c'est bon. Alors. On va se quitter là, les amis. Ah, bien sympa. Donc là, c'était vraiment voiture-voiture hein, pendant cet épisode. Donc je vous remercie sincèrement. C'était un réel plaisir. Donc moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, aimer, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour pas manquer la suite de cet épisode. Ok, là-dessus. Donc à plus. C'était T-Bay.